Hi tout le monde, c'est Oustache, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici. On se retrouve pour un petit gameplay sur Black Ops 2. Donc le premier épisode de ma série Fail Nucléaire. Donc ma série Fail Nucléaire, c'est quoi? C'est des gameplays ou parties de gameplay comme là ça se présente. Parce qu'on est en quartier général et le quartier général dure 15 minutes. Donc je vais pas vous montrer 15 minutes de gameplay, ça serait vraiment trop long. Surtout qu'on va galérer à prendre le QG. Donc le quartier général, c'est un mode où il y a un QG, donc un petit, on va dire, ordinateur qui est placé à différents endroits de la map. Et vous devez le capturer et ensuite les ennemis doivent vous le voler, entre parenthèses, le détruire. Et donc c'est assez long. Donc vous pouvez en voir en bas à gauche que c'est 15 minutes ou 250 points. Mais nous on va jamais atteindre les 250 points, en tout cas sur cette partie. Donc ça se déroule sur Express. Et c'est monsieur Select Fate qui m'envoie ce gameplay. Donc vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Il est déjà passé pour le gameplay gameplay abonné. Donc avec une MSMC, un 43-3 en matière mort par équipe. Donc un gros score. Donc déjà je voudrais m'excuser pour l'absence. Cette semaine je n'ai posté que combien de vidéos? Deux vidéos je crois. Tout simplement parce que en fait il y a eu de la neige et j'ai eu quelques problèmes à cause de ça. Donc je vais pas préciser parce que ça vous semble bizarre. Et j'ai eu quelques problèmes et surtout j'ai été malade pendant deux jours. Et deux jours j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'avais la voix complètement cassée. Et faire une vidéo avec la voix cassée ça serait pas top top, je crois pas que vous aimeriez bien. Donc vous pouvez voir que les nouveaux camouflages sont arrivés. Donc moi j'ai acheté personnellement le rock, le guerre exotique et le graffiti. Donc moi honnêtement je préfère le rock et le graffiti. Le guerre exotique il est pas très visible, c'est un truc qui est assez discret. Et là pour la peine Select Fade avait mis l'art de la guerre. Donc un gameplay j'allais dire. Une couleur qui se débloque en faisant les défis. Donc je crois que c'est 150 kills sans armes ni équipement, je suis pas sûr. Ou c'est sans atout, je sais plus du tout. C'est un truc assez bizarre. Et c'est pour monter ses armes en or. Donc là il va balancer son missile Strom et nous faire un petit kill assez spécial en rentrant dans la maison avec un missile Strom. Donc c'est GG à toi. Et il va balancer maintenant sous foudrement et malheureusement faire 0 kill. Et ça va arriver plusieurs fois dans la partie. Il va lancer le foudrement et rien ne va arriver. Donc vous pouvez voir que je suis dans la partie, je viens de me faire tuer par une grenade. On m'a vu sur le quartier général. Là j'étais en mode vraiment jouer l'objectif. Alors que Select Fade, il voulait vraiment faire des kills pour me proposer un gameplay comme ça. Parce que je lui avais demandé et il a réussi du premier coup. Je croyais que c'était la première partie. Et il a réussi direct. Donc il joue avec la N94, un très bon fusil d'assaut, honnêtement mon préféré du moment. Après au début j'ai bien aimé le type 25, mais maintenant je préfère vachement la N94 qui est plus précise et a plus de dégâts. Malgré un manque de cadence de tir, pardon, j'ai eu le hoquet. Okay. Et donc voilà, il joue avec les Kisrik, drone de chasse, missile Strom et foudroiement. Donc ils sont aussi de très bons Kisrik qui sont pas très durs à avoir. Là je pense avec ce gameplay là il aurait pu avoir même les chiens parce qu'il fait vraiment énormément de kills. Et surtout qu'en QG ça rapporte 100 et quelques kills par 100 et quelques points par kill pardon. Donc là il va envoyer son missile Strom et encore une fois nous faire un kill alors qu'il est rentré dans un genre de bâtiment. C'est vraiment un pro de ça, il fait vraiment souvent. Il balance au foudroiement et devinez quoi, 0 kill comme d'hab. Il est vraiment pas très fort au niveau foudroiement. Moi non plus, il y a des fois genre sur Express, c'est une map qui est assez, on va dire, assez fermée. Et c'est une map où j'arrive vraiment pas à placer mes foudroiements. Après c'est clair que il y a des spots et autres. Mais là le QG était à l'abri, donc c'était vraiment chaud. Donc sinon moi je vais vous parler aussi de moi un peu parce que je suis rentré dans un nouveau roster qui est avec Corwid, vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, un Maestro et Shurza. Donc je vous les présenterai plus tard dans d'autres vidéos parce que là vous n'êtes pas venu pour ça. Et là on a déjà quelques TS de prévu et on va essayer de s'entraîner un maximum pour vous proposer les meilleurs gameplays possibles. Donc là il vient de nous faire un petit double en passant par là. Et là une migration des autres que je vous ai coupé au montage. Une migration des autres qui a quand même duré pas mal de temps, au moins 40 secondes. Car les migrations des autres sont assez dures. Donc là je vous ai remis le score pour bien vous prouver que je mytho pas, que c'est pas un montage qui s'est arrêté à 22 kills et qui a pas continué. Non non c'est vraiment, c'est vraiment le même gameplay. Toujours en QG, toujours sur Express, toujours au même endroit. Il y a toujours moi dans la partie. Donc là on a toujours pas dépassé les 50 kills. Je vous dis qu'on a vraiment galéré sur ce gameplay. Et je crois même pas qu'on va dépasser les 100 kills à la fin. Donc là il prend son B23R qui est assez fort au corps à corps et il rentre en implacable. Donc implacable, 20 kills d'affilée, 21 kills et on se dit quoi, allez il va atterrir pour son titre nucléaire. Il balance ses petits kistriks, donc un petit foudroiement et un petit missile Strom. Donc encore une fois un kill au missile Strom. Et cette fois-ci enfin il va faire un kill au foudroiement. Donc je sais plus trop où il a placé vu que c'est pas dans le mode studio, on voit pas trop là où il place. Et regardez ce qui va se passer, il fait un kill, il va voir au top. Donc il voit quelques ennemis au fond. Il les voit mais il veut pas les tuer tout de suite parce que c'est des snipers, il y a beaucoup de snipers en face. Donc là il va essayer d'en tuer un. Il va en tuer un ou deux, je sais plus trop. Voilà, il en tue un et le sniper il arrive en face. Il va se cacher là-haut et plom, il se fait tuer.
Donc sur ce, moi j'espère que ce gameplay vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous. Ciao ciao tout le monde.